Là, nous sommes à Savignan-Véron. Ah, maintenant, on va être perspicace, 10 rue Bourg. Ça doit être au milieu du bourg, logiquement, si je ne me trompe pas. Cette jeune femme qui cherche à se rendre chez son patient est médecin interne en fin de formation à la maison de santé pluridisciplinaire et universitaire du Véron en Indre-et-Loire. 9 ans d'études et une seule idée en tête, venir en aide aux patients des milieux ruraux. Bah, ils viennent nous voir, on est le médecin de premier recours, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour tout, et enfin, pour eux on est le médecin, quoi. Alors qu'en ville on est, pour moi on voit des choses beaucoup moins intéressantes, on fait tout en fait en campagne, on va voir le petit enfant, on va voir la personne âgée, on va voir la suture à 4h de l'après-midi, on va faire le diagnostic, on va pouvoir, non c'est différent quoi. Bonjour. Le temps où le médecin de campagne passait la moitié de sa journée sur les routes est révolu. Seulement 2 visites par jour pour ce jeune médecin. Une présence territoriale indispensable pour les patients les plus fragiles et fortement isolés. Paysage rural de vignobles, 10 000 habitants, la communauté de communes du Véron connaît depuis quelques années une augmentation de sa population. Et le pharmacien m'a dit on ne donne pas parce qu'il n'a pas marqué. Concrètement, que faire quand trouver des remplaçants devient un casse-tête. Une inquiétude pour les acteurs de santé primaire. Comment assurer la pérennité du système de soins, de prévention et de dépistage dans un contexte a priori peu séduisant pour les jeunes médecins? La maison pluridisciplinaire de santé, une réponse à cette question. Projet soutenu par la région Centre, une solution pour une pratique collective de la médecine plus en phase avec les besoins des malades d'aujourd'hui. Associations de professions médicales et paramédicales, partage de matériel moderne, meilleure coordination avec l'hôpital, échange d'expériences et de pratiques entre les médecins. Les internes ne sont évidemment pas tout seuls, encore heureux d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas fini leur formation. Donc ils peuvent nous appeler s'ils ont un problème ponctuel et on les aide à réfléchir sur leurs pratiques et à appréhender la formation continue. De retour dans son cabinet, Aurélie sait qu'à tout moment, elle peut faire appel à l'un de ses confrères pour un avis. Un avantage pour le patient dont elle pourra disposer toute sa carrière si elle la réalise dans une maison de santé. Quand on est passé dans une maison de santé comme ça, on a envie de reproduire on est tenté de reproduire le schéma autre part. Moi, franchement, d'être passé dans une maison de santé, je pense que je vois plus la médecine générale de la même façon. Enfin, ça a changé ma vision de la médecine générale. Faire venir de jeunes médecins en milieu rural passe par de nouveaux aménagements pour faciliter l'exercice de ces praticiens. Pas de fatalité donc pour les médecins de la communauté d'agglomération du Véron. Je veux dire qu'un interne qui a un peu la niaque et qui se dit bah moi j'aime par exemple je sais pas moi le coin de Romorantin pourquoi pas ou un autre coin et qui se dit bah voilà moi je voudrais m'installer là mais bosser différemment, pourquoi pas essayer de remplacer dans ce coin-là, pourquoi pas essayer de prendre la température avec les médecins en place et pourquoi pas essayer de monter quelque chose. Mais en tout cas monter des murs tout seul pour une commune et après essayer de faire venir des médecins, ça me paraît un petit peu dangereux quoi. Faire naître des projets structurés est parfois long, d'où l'importance de penser aujourd'hui la médecine de demain.